Un des présidents d'honneur présents, plus ancien, puisque le congrès de Genève a eu lieu il y a plus de 10 ans, et c'est à cette occasion que je suis devenu président d'honneur, c'est à ce titre-là que j'ai le plaisir d'introduire Daniel Mercure, le dernier en date de nos présidents, et le premier des futurs présidents d'honneur, qui va d'ailleurs devenir à ce moment, demain me détrôner, en ce sens qu'il va devenir le plus jeune d'âge à devenir, de nous tous, à devenir président d'honneur demain. Daniel est un sociologue dont on connaît les travaux sur les temps sociaux, sur le travail. Il nous a accueillis il y a 4 ans à Québec, dans le grand congrès, le précédent qui a eu lieu là-bas. Il a fait un travail formidable et je propose que même avant la fin de son exposé, nous le remercions par quelques applaudissements de son travail comme président. En plus, c'est un ami qui m'est très cher. Nous avons centré nos propos sur l'individu en contrepoint du dernier congrès où nous traitions de la mondialisation. Je suis convaincu que Daniel va nous faire un lien entre cette thématique dont j'étais un petit peu surpris quand même de la voir complètement disparaître quand on parle de l'individu. Je n'ai pas vu ces jours ressurgir une thématique qui articulerait individu dans la dimension contemporaine du développement historique de notre planète. Daniel, comme spécialiste du travail, va donc nous parler sous le titre « Libéralisme et lien social ». Et je me réjouis de l'entendre, je vais redescendre, je lui donne la parole pour cette adresse qui ne sera pas suivie, comme midi est bientôt là, qui ne sera pas suivie d'une discussion, mais certainement que vous aurez l'occasion de rencontrer Daniel en de nombreuses opportunités et de contester radicalement son propos dans des discussions de face à face. Daniel, merci de ce que tu as apporté à la ISLF, merci aussi de ce que tu continueras à lui apporter dans les années à venir et je me réjouis de t'écouter. Merci, Christian. Chers collègues, en continuité avec notre tradition, les organisateurs du Congrès ont maintenu l'allocution présidentielle, mais ils ont eu la très bonne idée, en discontinuité avec ce que nous avions fait à d'autres moments, de séparer l'allocution présidentielle de l'Assemblée générale, laquelle d'ailleurs aura lieu ici à 16h, ce qui aura pour effet de réduire la durée de l'Assemblée générale et de permettre aux collègues d'avoir un peu plus de temps pour poser des questions et échanger. Alors, deux questions me préoccupent, car à mon sens, ce sont là deux ordres de changement importants. Il y a les changements dans les dynamiques économiques et les dynamiques du travail, et puis, si on passe du registre matériel au registre symbolique, il y a les transformations identitaires. Et je voudrais aborder ces deux questions. Mais alors, jouer sur les deux axes suppose de trouver en quelque sorte un chapeau qui renvoie à quelque chose de plus précis que la modernité avancée. Et je crois que c'est le libéralisme qui est le grand discours de notre époque. Dans un cas, c'est le libéralisme économique. Dans l'autre, la question des transformations identitaires, cela m'amène à soulever un questionnement autour du libéralisme politique. L'essentiel de mon exposé partira donc là-dessus. Voilà. Les sciences sociales nous ont appris à reconnaître, me semble-t-il, les grandes périodes de transition historique par le fait que les sociétés se trouvent alors traversées par des mutations profondes, tant dans leur mode de régulation de l'action que dans leur forme de conscience. Autrement dit, les changements de grande amplitude se présentent toujours sous l'aspect d'une modification substantielle et concomitante des faits de structure et des logiques d'acteurs. Aussi est-ce en tenant compte de ces deux ordres de faits que je présenterai, dans le cadre de ce bref exposé, quelques observations sur les mutations actuelles du lien social dans nos sociétés modernes avancées, sociétés dont le libéralisme
constitue la principale assise économique et politique. Afin de baliser les mutations contemporaines du lien social dans les sociétés modernes libérales, il me semble opportun de rappeler brièvement les trois grandes transformations historiques qui ont présidé à leur épanouissement. De même que les trois principales lectures du social qui ont accompagné ces changements. La première grande transformation est relative à l'émergence, puis à l'affirmation de conceptions de type contractualiste et juridique du lien social qui ont marqué le 17e et le 18e siècle. Ces conceptions, pour l'essentiel issues des théories du droit naturel et des premières révolutions politiques, ont fortement façonné la pensée politique moderne, modifiant de manière radicale les droits politiques des individus. De telles conceptions ont conduit nos sociétés à soutenir que notre vivre ensemble est une création volontaire et sociale des hommes, et de Grotius à Hobbes, puis de John Locke à Rousseau, une telle lecture du monde s'est évertuée à fonder en un seul pacte tant les liens associatifs entre les hommes que les rapports de sujétion politique. Le lien social s'y présente sous la forme d'un contrat. La seconde grande transformation renvoie à la sécularisation de la morale, comme l'illustre l'histoire de l'école écossaise de philosophie morale et l'émergence de conceptions de type utilitariste du lien social, lesquelles s'avèrent à la source de l'économie politique. Ces conceptions, depuis Mandeville jusqu'aux premiers économistes classiques, tels Smith et Ricardo, sont le fruit de l'amorce de la révolution industrielle et d'une nouvelle ontologie qui définit l'homme dans son essence comme un homo economicus, marqué par l'amour de soi, le self-love, et le besoin d'améliorer sa condition par ce que Smith appelait son penchant naturel pour l'échange. Le lien social s'y présente sous la forme d'une société de marché, caractérisée par l'harmonie naturelle des intérêts particuliers divergents. Son principe de justice est plus proche de la loi de la gravitation des prix que de principes moraux transcendants. La troisième transformation fondamentale témoigne de l'effritement, puis d'un grand bouleversement du tissu social et de ses institutions. Elle tend à inscrire l'activité humaine dans toute la densité du tissu social et de ses formes multiples de sociabilité. Le lien social s'y présente selon une dynamique fondamentale entre communauté et société, dans un contexte où les rapports sociaux sont tendus et les structures normatives de l'action en pleine mutation, comme l'illustrent les analyses classiques de Toniz, de même que les premiers travaux de Durkheim, puis ceux des générations successives de sociologues, je pense à Redfield et bien d'autres. Si la science politique et l'économie ont tenté de rendre compte des deux premiers changements, la sociologie est certainement la discipline qui s'est le plus attachée à circonscrire et analyser la troisième grande transformation, celle notamment de nos manières d'être ensemble et de nos formes de solidarité. Constitutive de la modernité libérale, ces trois lectures du monde, soit la société comme contrat, la société comme marché et la société comme communauté en voie d'effritement, constituent autant de pôles d'un triangle au sein duquel se situe l'individu social. Un individu social doté d'une forte réflexivité, certes, mais dont le champ d'action est néanmoins balisé par le triangle des trois configurations ci-dessus énumérées, dont il est l'auteur et le produit. Et ce triangle est lui-même encadré par le libéralisme. Aussi, est-ce en considérant la société comme marché, comme communauté et comme contrat que je tenterai d'examiner quelques facettes des mutations contemporaines du libéralisme. Je commence par la société comme marché. À mon sens, le libéralisme économique est en pleine mutation, affirmation qui nécessite au préalable un bref rappel historique. Soulignons
que dès ses origines, le libéralisme économique a reposé, pour l'essentiel, sur la libre concurrence, la responsabilité individuelle et plus fondamentalement sur le droit de propriété. La propriété de soi d'abord, la propriété sur les choses par son travail ensuite. Je pense à Locke ici. En outre et surtout, au cœur du libéralisme, se trouve le principe selon lequel le marché comporte en lui-même sa propre régulation. Toutefois, l'idée selon laquelle le marché doit être à l'abri de la société, c'est-à-dire qu'il doit fonctionner comme un ensemble séparé du reste de la société, a été remise en question lors de la grande crise des années 1930. De nouvelles régulations du libéralisme ont alors été mises en place. D'abord sous la forme d'une resocialisation de l'économie au cours des années 1930 à 1945, phénomène fort bien analysé par Polanyi dans The Great Transformation. Puis, sous celle de l'essor de la société salariale dans la période d'après-guerre, notamment dans ce qu'il est convenu d'appeler la période des Trente Glorieuses. Aujourd'hui, ces acquis sont remis en question partout en Occident. Depuis un quart de siècle, nous assistons à la fragilisation du travail, soit ce par quoi l'homme est propriétaire des choses, dans la mesure où la propriété de son travail est une forme de propriété de soi, comme le disaient les premiers libéraux. Les changements de structure en cause, qui ont d'inévitables effets sur les logiques d'acteurs, peuvent être résumés aujourd'hui, à mon sens, selon trois traits de caractérisation. Premièrement, l'ébranlement de la régulation fordiste, dans ce qu'elle a de plus essentiel, à savoir, d'abord, la modification en profondeur de la production de masse standardisée et des anciennes formes d'organisation du travail, en raison des nouvelles techniques de production plus flexibles et de la quête de flexibilité fonctionnelle par les entreprises. Ensuite, l'effritement du rapport salarial, fondé sur un contrat de travail à long terme, la présence de garanties d'emploi et surtout la progression des salaires au rythme des gains de productivité anticipés et non plus réels. Enfin, la remise en question du rôle de l'État et l'affaiblissement des mécanismes sociaux et étatiques de redistribution de la richesse. À ce premier ensemble de transformations s'en ajoute un deuxième, l'essor des nouvelles stratégies d'entreprise en vue d'accroître la flexibilité technique, fonctionnelle, organisationnelle, salariale et numérique. Essor accompagné de formes novatrices d'impartition. C'est sous l'appel d'impartition flexible que j'ai tenté de circonscrire ailleurs l'ensemble de ces transformations, soit l'externalisation du travail, depuis les différentes formes de sous-traitance jusqu'à la délocalisation d'entreprises, de même que la quête de flexibilité tous azimuts, fondée sur une vision ultralibérale. Afin de faire face aux nouvelles conditions du marché, les entreprises ont donc emprunté les voies de l'impartition et de la flexibilité. Les organisations ont aussi modifié en profondeur le travail, selon une dynamique complexe dont les principales lignes directrices sont, d'une part, le développement de la sous-traitance, la multiplication des délocalisations d'entreprises et l'accroissement des formes d'emploi atypiques, et, d'autre part, une transformation substantielle de nos manières de travailler. De fait, les exigences de polyvalence sont de plus en plus élevées en même temps qu'augmente l'intensité du travail, ce qui se traduit tant par une hausse des qualifications que par l'épuisement des cas d'épuisement professionnel dans un contexte de travail marqué par l'insécurité. Troisième transformation, plus récente, la financiarisation accrue de l'économie. Ces effets majeurs nous ont été révélés par la crise boursière de mars 2000 et son extension en 2001, puis par les nombreuses faillites en 2002. Dans une telle logique, le capital financier se transforme. Comme le souligne Pérez, de porteur d'intérêt en capital financier, il devient porteur de droits de propriété. Aussi, le marché boursier devient-il la principale source d'évaluation de la performance des entreprises, souvent au détriment de leur réussite dans l'activité productive. Un nouveau modèle d'entreprise est en voie d'élaboration, ses principaux acteurs étant les gestionnaires de fonds d'épargne et de fonds de pension, les analystes financiers, les agences de notation et les firmes d'évaluation organisationnelle de l'entreprise. Les structures organisationnelles se déconcentrent. La valorisation du capital à court terme devient déterminante
et surtout le pouvoir classique des managers s'effrite. Tel qu'il se dessine, à mon avis, le libéralisme contemporain apparaît de plus en plus aux prises avec un problème de gouvernance, résultat de l'effritement du capitalisme managérial. Celui-ci avait remplacé, je vous le rappelle, le capitalisme d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il semble de plus en plus déclassé par un troisième type de capitalisme que l'on peut désigner sous la forme tantôt de capitalisme d'actionnariat, tantôt de capitalisme contractuel de la firme ou encore de valeur partenariale. De plus en plus mondialisé et financiarisé, le libéralisme économique est aujourd'hui en profonde mutation. Il est aux prises avec un problème de gouvernance et de déficit démocratique. L'impartition flexible, de même que la financiarisation et la mondialisation de l'économie, n'ont pas comme seul effet de modifier le contenu du travail ou encore de remettre en question le lien social dans l'entreprise. De telles pratiques, parce qu'elles changent radicalement les conditions d'emploi dans nos sociétés, conduisent de manière plus dramatique tant à fragiliser une grande partie de la population qu'à ébranler l'ensemble des anciennes formes de solidarité sociale. En effet, ce sont maintenant des pans entiers de la main-d'œuvre qui se trouvent au chômage, se voient contraints à une retraite prématurée, doivent s'astreindre à accepter des emplois précaires, œuvrent dans un espace de travail peu encadré par des lois du travail protectrices, multiplient les rangs des chômeurs et des plus démunis. Le travail et le salariat représentent donc de moins en moins le principal champ de l'agir par lequel nos sociétés assurent l'intégration sociale, ce qui n'est pas sans soulever de nombreuses questions, parmi lesquelles celle de l'individu fragilisé. À ce chapitre, les excellents travaux de Robert Castel me semblent riches en enseignements. Examinant la situation de ces individus de plus en plus vulnérables, et dans plusieurs cas désaffiliés, pour reprendre son expression, il nous rappelle l'intéressant paradoxe selon lequel l'individu n'existe de manière autonome et positive que dans la mesure où il est doté de supports sociaux. Il s'agit bien donc d'un individu social. Comme le souligne Castel, la possibilité pour une majorité de travailleurs d'accéder à une individualité positive s'était faite grâce à leur inscription dans des collectifs. Collectifs de travailleurs et collectifs syndicaux, conventions collectives, régulations collectives du droit du travail et de la protection sociale. Fin de la citation. Autrement dit, l'accès à l'individualité véritable, à l'autonomie de l'individu, a été le fait de leur insertion dans des collectifs. Par conséquent, les changements structurels de l'économie effritent les supports stables et produisent, selon l'expression de Castel, des individus par défaut. Il s'ensuit de nouvelles formes d'action que Marc-Henri Soulet théorise sous la forme de n'agir faible. Si ce cas de figure illustre bien la nécessité d'analyser de manière concomitante les faits de structure et les logiques d'acteurs, il met aussi en relief les changements cruciaux qui caractérisent le libéralisme contemporain, surtout dans sa dimension économique. Doit-on en conclure que la société comme marché, véritable leitmotiv du libéralisme contemporain, effrite complètement les dynamiques communautaires? Je crois qu'il n'en est rien, attendu les nouvelles dynamiques communautaires qui le caractérisent, du moins en Amérique du Nord, ce qui m'amène à mon second point, la société comme communauté. Les nombreuses revendications identitaires qui marquent la vie de nos sociétés depuis une trentaine d'années offrent une lecture riche des nouvelles dynamiques collectives qui participent de la reconfiguration de l'individu social. À mon humble avis, ces lectures sont de plus grande amplitude que celles fondées sur la seule crise de la subjectivité, qui demande toutefois une attention particulière. Soit un ensemble d'interprétations, dans un créneau précis, un ensemble d'interprétations intéressantes, dont parfois les assises en termes d'analyse des déterminismes apparaissent réduites à l'institutionnalisation de l'État bureaucratique, lequel est d'ailleurs en voie d'effritement, et à la société de consommation, auquel il faut aussi ajouter, il est vrai, la fin des grands discours, comme si l'ultralibéralisme et le grand plaidoyer sur l'universalité des droits de la personne n'étaient pas les grands discours de notre époque. Je suis pour ma part enclin à penser que la prise en considération des formes novatrices
de revendications identitaires, prise en considération qui n'exclut absolument pas l'examen de la crise de la subjectivité, en fait, qui constitue l'une des deux voies d'approche, approche qui se complète, je suis donc plutôt enclin à considérer que les formes novatrices de revendication, l'analyse des formes novatrices de revendication identitaire s'avère d'autant plus pertinente en vue de circonscrire les nouvelles modalités de l'individu social qu'elles sont porteuses d'inférences théoriques dotées d'assises empiriques solides et qu'elles interpellent les fondements du libéralisme politique. De fait, la force des nouvelles appartenances ne saurait être sous-estimée puisqu'elles correspondent à la multiplication de micro-communautés. Par exemple, en plus des minorités nationales, les groupes ethniques, les nouveaux mouvements sociaux, tels les gays et lesbiennes, les divers groupements religieux, des groupements de défense des droits des femmes, et aussi tous ces groupes nombreux qui se définissent par un genre de vie particulier. Il s'ensuit donc une redéfinition des appartenances et conséquemment un déplacement des lieux traditionnels d'institutionnalisation du lien social au profit d'espaces sociaux intermédiaires d'affirmation des nouvelles identités. Au niveau de la société globale, ce phénomène se traduit également par la fragmentation de la mémoire historique. Celle-ci se présente de plus en plus comme l'addition de mémoires collectives singulières, dont les principales visées sont d'inciter nos sociétés à redéfinir la mémoire historique officielle. J'ajoute que ces mémoires collectives particulières, singulières, n'ont rien de local. Au contraire, elles sont très souvent dotées de fortes composantes universelles, comme en témoignent les nombreuses relectures de l'histoire des femmes en Occident, ou encore les relectures de celles des gays et lesbiennes, pour ne retenir que deux cas. En outre, la vie privée investit de plus en plus la vie publique par la voie de revendications pour la reconnaissance des particularismes, ce qui n'est pas sans créer un véritable brouillage entre les anciennes identités nationales, les identités personnelles et les nouvelles formes identitaires propres aux micro-communautés en plein essor. Du point de vue politique, ce phénomène prend aussi la forme d'un brouillage des frontières entre la société civile et l'État, attendu que les intérêts des micro-communautés pénètrent de toutes parts les mécanismes régulateurs de l'État, ce qui se traduit dans certains pays, comme le Canada, par l'effritement du pouvoir législatif au profit de l'exécutif et de l'instrumentalisation des tribunaux, c'est-à-dire que l'exécutif anticipe les décisions de la Cour suprême en raison des différentes chartes et que conséquemment, il lance des réformes et impose les réformes au-dessus du législatif qui ne vient qu'entériner les choses. Il y a un déplacement de l'espace politique au Canada, mais aux États-Unis aussi, là où les cours suprêmes sont très importantes. Dans un contexte de radicalisation de la réflexivité sociale, une telle reconfiguration identitaire exerce donc une forte pression sur l'État de droit, ce qui soulève la délicate question de ses nouveaux rapports avec le libéralisme politique. Avant d'aller plus loin sur ce point, un détour s'impose. Le libéralisme politique s'est toujours présenté comme une doctrine dont la principale finalité consiste à limiter le pouvoir du souverain ou de l'État. Toutefois, une distinction fondamentale doit être rappelée, à savoir celle entre l'État limité en pouvoir et l'État limité dans ses champs d'intervention, ce qui n'est pas la même chose du tout. La première limitation a présidé à la naissance de la réflexion politique moderne, comme le révèlent les débats très contrastés sur le droit individuel et le rôle du souverain, par exemple dans les œuvres pionnières de Grotius, d'Hobbes et de Dufour. Néanmoins, le libéralisme contemporain trouve ses fondements essentiels dans l'État de droit, en particulier dans maintes élaborations institutionnelles, en vue tant de reconnaître les droits individuels que de réguler l'exercice du pouvoir. Comme l'ont illustré autrefois les analyses classiques de Locke sur la tolérance à l'égard des différences religieuses et morales et de Montesquieu
sur le principe de la séparation des pouvoirs. La seconde limitation, elle, concerne les champs d'intervention de l'État. Thème important, surtout chez les premiers penseurs de l'économie politique. En guise d'illustration, les travaux classiques de Stuart Mill sur la liberté et l'État minimal. Ces deux aspects du libéralisme, me semble-t-il, ont été fortement modifiés au cours des dernières décennies, tantôt par l'accentuation de leurs premiers traits de caractérisation, tantôt par de subtiles bifurcations par rapport à ces mêmes traits. D'abord, l'ultralibéralisme contemporain pourfend le rôle de l'État et réussit à accroître l'idéal d'un État minimal. C'est bien connu, partout en Occident, nous assistons à la mise en œuvre de mesures dans le but de comprimer les dépenses publiques, de privatiser les services collectifs, de réduire les protections sociales, de déresponsabiliser le capital en rendant les individus plus responsables de leur avenir, de transformer les politiques fiscales et finalement de déréglementer la société en général et le marché de la finance et du travail en particulier. Ensuite, l'État de droit est aussi en pleine mutation. Rappelons que celui-ci a connu un fort renouveau à la suite de la Seconde Guerre mondiale. L'adoption par les Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 témoigne d'un changement substantiel, puisque l'objectif principal poursuivi était, dans le contexte d'après-guerre, marqué par l'échec des traités entre États en faveur de la protection des minorités, l'objectif, dis-je, était de subsumer les droits minoritaires sous la catégorie des droits de la personne. C'est, à mon sens, dans la même ligne directrice qu'on peut situer les premiers mouvements pour la défense des droits civiques aux États-Unis, notamment en ce qui a trait à la minorité afro-américaine, soumise à la ségrégation raciale en raison précisément d'un principe de statut dit « distinct mais égal » accordé à ces derniers. C'est du moins l'interprétation de la plupart des juristes américains. Mais dans les années 70, les mouvements identitaires ont pris beaucoup d'ampleur et leurs revendications ont touché aussi bien le champ culturel que celui de l'éducation et du travail. En outre, nous avons assisté, au Canada, aux États-Unis, nous avons assisté à la promulgation de différentes lois et chartes des droits et libertés dans maints pays, notamment sous l'action d'une fraction des Liberals, des associations vouées à la défense des minorités nationales ou ethniques, des nouveaux mouvements sociaux et des syndicats. L'État de droit s'est retrouvé aux prises avec deux types d'exigences souvent difficiles à concilier, à savoir accroître les droits universels de la personne et reconnaître les singularités culturelles de groupes aux identités multiples. À la question initiale des droits civiques a donc succédé de très nombreux débats, depuis la protection des minorités nationales ou encore de l'héritage culturel de certains groupes ethniques, jusqu'aux politiques de discrimination positive afin de compenser les handicaps historiques de plusieurs groupes particuliers. Une telle dynamique a eu, entre autres, deux conséquences. La première concerne la régulation juridique et administrative de l'appareil d'État. La seconde, la remise en question de certaines assises de la pensée libérale. En ce qui a trait au premier point, il importe, me semble-t-il, de bien prendre conscience que le labyrinthe bureaucratique ou encore le dédale administratif, si présent dans nos sociétés occidentales, n'est pas le seul fruit de l'extension des champs d'intervention de l'État. Et je ajouterai qu'il n'est pas non plus le seul fruit de l'extension de la rationalité, selon la lecture weberienne classique. Il est aussi, me semble-t-il, le paradoxal produit d'une tendance lourde du libéralisme contemporain, caractérisée par la multiplication de chartes et de règlements qui visent à protéger les droits de tous et à assurer la présence de recours juridiques et administratifs à chacun. Ce dédale n'est donc pas étranger à l'une des composantes majeures du libéralisme contemporain, soit le renforcement de l'État de droit.
En ce qui concerne le deuxième point, et c'est l'objet principal de mon propos, les multiples revendications en vue de la reconnaissance des droits des diverses minorités sociales et culturelles ou des majorités marginalisées empruntent de plus en plus des formes qui dépassent la conception d'individus atomisés, donc les valeurs classiques de l'individualisme libéral. Ces revendications se font au profit de groupes identitaires diversifiés et de minorités importantes dont les appartenances culturelles sont de plus en plus prises en considération par les pouvoirs publics et les tribunaux, du moins au Canada. Dans certains cas, ce sont les droits individuels propres à certaines catégories sociales qui sont en cause. Par exemple, les droits des femmes, des minorités visibles, des gays et lesbiennes, des handicapés, des enfants, des détenus, etc. Dans d'autres cas, ce sont des revendications collectives. En guise d'illustration, les droits liés à la protection de la langue, à la protection d'une culture singulière ou encore à l'expression religieuse. Un tel phénomène soulève de nombreuses questions quant à la manière dont le libéralisme politique sera appelé à redéfinir ses principes en vue d'assurer un meilleur vivre ensemble. Voici quelques-unes de ces questions. La communauté politique doit-elle toujours reposer sur l'universalité des droits universels ou doit-elle accorder des prérogatives particulières aux différentes communautés, minoritaires ou non, marquées par une histoire singulière qui les a desservies? Autrement dit, les droits de chacun seront-ils toujours ceux de tous? Par ailleurs, même si l'actuelle dynamique de reconnaissance et de représentation soutenue par ces nouvelles micro-communautés vise l'inclusion sociale, s'ensuit-il pour autant qu'un accueil favorable à ces revendications favorise effectivement une meilleure intégration sociale? Et si oui, comment nos sociétés vont-elles élargir les bases du consensus social? À quel type de droits seront alors subordonnés les États souverains et ses citoyens? La réponse à une telle question est plus complexe qu'il n'y paraît au premier regard, attendu la forte diversité des groupes et des revendications. Par exemple, selon qu'il s'agit de minorités nationales ou ethniques, ou encore, et c'est là que ça se complique, selon que les revendications portent sur les rapports entre un groupe particulier et l'ensemble de la société, ou entre un groupe singulier qui se positionne par rapport à l'ensemble de la société et ses propres membres dont le groupe singulier souhaite qu'il se conforme à certaines pratiques du groupe. Pratiques d'ordre linguistique, religieux, pour ne retenir que deux cas de figure. Bref, sur la base de quels principes et selon quelles modalités le libéralisme politique va-t-il poser les assises philosophiques, juridiques et culturelles de l'intégration sociale? Peut-on, sociologiquement, envisager que nos sociétés pourront construire de nouvelles solidarités en l'absence d'un sentiment commun d'appartenance? Et celui-ci peut-il se résumer à une conception publique commune de la justice comme procédure? Ce débat est crucial pour l'avenir du libéralisme et il revêt une grande importance en Amérique du Nord. Il repose sur des faits structuraux importants au sein de nos sociétés, à savoir la forte présence de groupes distincts possédant un style de vie ou des caractéristiques nationales, ethniques, linguistiques, religieuses, stables, qui diffèrent de ceux du reste de la population. Ensuite, la position dominante du groupe, lequel peut être une minorité numérique ou une majorité marginalisée. Enfin, le désir chez ces groupes de conserver ou d'affirmer leurs propres caractéristiques culturelles et leur style de vie. J'emprunte l'essentiel de cette énumération à André Lajoie, et je tire cela de son très beau livre « Ces minorités qui font la loi ». Comme nous l'avons vu, ces groupes peuvent évidemment être des minorités sociales ou des majorités marginalisées qui revendiquent au nom de valeurs individuelles ou encore des minorités politiques qui revendiquent au nom de valeurs collectives, par exemple, plus de pouvoir politique, la maîtrise d'un territoire ou de certaines richesses naturelles.
leur importance numérique, la nature de leurs revendications et l'ampleur des questionnements que leur action soulève fait que la théorie du libéralisme politique contemporain ne peut plus penser l'individu social hors de ses micro-communautés, c'est-à-dire faire l'économie d'une large réflexion sur les fondements réels du lien social. L'enjeu fondamental est donc de savoir si la question des identités collectives, en particulier culturelles, doit être renvoyée à la seule sphère privée, comme ce fut le cas pour la question religieuse au XVIIe siècle en Angleterre, ou si, au contraire, la notion de communauté politique doit être repensée de manière à relativiser les valeurs, ou la valeur, des droits universels en fonction du pluralisme culturel. De fait, c'est bien ainsi que le libéralisme politique est revisité par maints théoriciens contemporains. Je me réfère ici aux trois grandes conceptions du lien social qui se trouvent au cœur de la pensée sociopolitique contemporaine, à savoir celle des libertariens, des libéraux et des communautariens. À titre d'illustration, pensons aux travaux de Nozick, de Rawls et évidemment à ceux de Taylor, qui s'est excusé de ne pouvoir participer à ce congrès car nous l'avions invité. Ces trois courants renvoient à trois manières de penser le libéralisme et le lien social, qui reposent pour l'essentiel sur trois conceptions particulières des rapports entre l'État, la justice et évidemment la communauté. Au risque d'être trivial, un peu caricatural, et mes collègues spécialistes en sociologie politique me pardonneront, on risque donc d'être trivial chez les communautariens. Primauté relative des conceptions communes du bien sur l'atomisme libéral. Primauté fondée sur la reconnaissance du fait que l'individu autonome est enraciné dans des identités sociales communes et spécifiques. Chez les libéraux, priorité du juste sur le bien, et plus particulièrement de l'individualisme moral sur une politique du bien commun, soit une théorie de la justice, mais dans le cas de Rawls, une théorie de la justice comme équité, qui tente de concilier les particularismes culturels avec des procédures qui assurent le maximum de liberté et sa distribution équitable. Chez les libertariens, défense ferme des droits et libertés individuelles inaliénables, de l'autodétermination des conduites de vie et de la neutralité absolue de l'État, lequel se voit confier un rôle minimal. L'individu choisit alors, de manière réversible, c'est l'idée centrale, l'individu choisit alors de manière réversible sa communauté dans le marché des valeurs. Ce débat illustre bien, me semble-t-il, la pertinence de mon questionnement. À cet égard, il est intéressant de noter deux choses. D'abord, que ces différentes conceptualisations du libéralisme inscrivent au sein de leurs préoccupations et de leurs redéfinitions la notion de communauté, que ce soit pour enraciner le moi dans cette dernière ou pour l'en affranchir. Ceci revient à dire que de telles conceptualisations se positionnent par rapport aux enjeux identitaires selon une perspective qui déborde la traditionnelle question des minorités nationales. Ensuite, deuxième observation, ces trois perspectives nous renvoient aux trois lectures du social identifiées au début de mon propos. La société comme contrat, chez les libéraux, la société comme marché, chez les libertariens, la société comme communauté, chez les communautariens. Donc, si ces trois perspectives renvoient aux trois lectures du social identifiées au début de mon propos, ceci signifie que le débat actuel est de grande amplitude, puisqu'il revisite les trois principales assises de la modernité. Quoi qu'il en soit, il ne fait guère de doute dans mon esprit qu'en raison de l'importance des affirmations identitaires et de leurs revendications en vue de leur reconnaissance dans l'état de droit, le débat actuel sur le libéralisme politique est d'abord et avant tout un débat sociologique, dont l'enjeu principal est de repenser le lien social et de redéfinir le cadre d'action
de l'individu social. Ce qui revient à dire qu'il faut aborder la société comme contrat, ce que je ferai rapidement. En terminant, il me reste à aborder, brièvement, la société comme contrat. Mes observations précédentes impriment une coloration vive à mes propos subséquents. D'entrée de jeu, ne perdons pas de vue que la pensée libérale a eu à composer avec les principes de la démocratie. De manière triviale, rappelons que le libéralisme pose le problème classique de la liberté. La démocratie, celui de l'égalité. Le premier terme soulève une dynamique de fond, à savoir la limitation des pouvoirs. Le second, celle de sa distribution. Cette distinction n'a rien d'original. Elle est au cœur de l'œuvre géniale de Benjamin Constant, comme elle le fut d'ailleurs dans l'œuvre de Tocqueville. Toutefois, l'histoire nous enseigne que les deux termes ne sont pas soudés. C'est le moins que l'on puisse dire. Par exemple, si le libéralisme conservateur a traditionnellement œuvré à limiter les pouvoirs de l'État, il n'a adhéré sous sa forme plus radicale que tardivement au principe démocratique de la large distribution des pouvoirs. Aujourd'hui, à mon sens, deux tendances se dessinent. Premièrement, la notion d'égalité, donc de démocratie, est de plus en plus questionnée en raison d'un hyperculturalisme qui vise à différencier les droits de certains groupes selon leur appartenance culturelle. Ceci pose le problème fondamental des rapports entre la reconnaissance des identités collectives singulières et l'égalité formelle des individus, c'est-à-dire entre le droit à l'égalité et le droit à la différence, ou encore, entre guillemets, entre la dictature de la majorité qui effrayait tant Tocqueville et celle des minorités qui, de l'avis de certains juristes, tend à s'affirmer aujourd'hui. Par conséquent, ce qui est en cause, c'est la reconfiguration de la notion de démocratie dans ce qu'elle a de plus essentiel, ainsi bien sûr que la nature de ses rapports complexes avec le libéralisme. Deuxièmement, il n'est pas nécessaire d'entrer dans le vieux débat qui oppose la démocratie formelle à la démocratie substantielle pour soutenir que le thème de l'égalité n'est pas que juridique. Ce terme comporte aussi, dans les versions contemporaines de la démocratie libérale, le principe affirmé de l'égalité des opportunités, thème largement mis de l'avant par la classe politique libérale des années 70 sous la dénomination de société juste, c'est-à-dire d'égalité des chances de départ. Or, il ne fait guère de doute que l'ébranlement de la société salariale signifie dans les faits une véritable remise en question du principe d'égalité des opportunités, attendu l'effritement des supports sociaux des catégories sociales de plus en plus nombreuses. Dans bien des cas, l'ébranlement de la société salariale se traduit par le fait que l'individu ne dispose plus des conditions minimales à partir desquelles il puisse affirmer son individualité sur la base d'une liberté égalitaire initiale. Sur ce point, il me semble clair que nos sociétés auront à redéfinir les principes et les modalités susceptibles d'assurer l'égalité des opportunités, comme elles auront aussi à redéfinir les principes sous-jacents à l'égalité de droit. Dans un cas, comme dans l'autre, le débat actuel autour du renouvellement rawlsien des principes de liberté et d'égalité se bute donc à une dure réalité sociologique, une réalité qui ne saurait être abstraitement subsumée sous un voile d'ignorance, même si celui-ci implique, comme chez Rawls, le principe du maximum. Repenser la société comme contrat me semble donc le principal défi qui attend les sciences sociales au cours des deux prochaines années. Toutefois, je suis enclin à penser qu'une telle entreprise ne saurait être menée à terme avec succès sans prendre acte de ce qui est devenu notre société comme communauté et comme marché. Je vous remercie.
Je vous souhaite un bon appétit et je vous rappelle que l'Assemblée générale aura lieu ici à 16 heures. J'aurais voulu poser des questions sur les minorités, parce qu'avec les minorités en Chine, c'est très bien. Très bien. Ça, c'est dans l'exposé de Proust. Il y a des idées qui ont un début, un milieu et une fin. Vous dormez bien. Bravo. C'était bien. Oui, je vous dis. Très bien.